Salut les Gones, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de trois joueurs, Castelulu Keba, Mohamed Alarouche et également Karl Toko Ekambi. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Tout ça c'est gratuit, ça fait que soutenir la chaîne, voilà, si vous aimez bien le contenu, etc. Vraiment, n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit et je compte sur vous. Et en tout cas, merci à toutes les personnes dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, merci à tous. Donc, on va commencer cette vidéo avec Castelulu Keba. Donc hier soir il y a eu pas mal d'infos, je voulais pas vous faire une vidéo voilà pour la nuit. Et au final j'ai bien fait parce que l'offre, je vous l'ai dit, je l'ai écrite, c'est Lukeba 30 millions plus 5 de bonus plus Moriba en prêt. Donc voilà, c'est un joueur qui est dans le mal en ce moment, Moriba. C'est un joueur guinéen et espagnol qui était au Barça, acheté pour 16 millions d'euros par Leipzig il y a 2 ans il me semble. Prêté à Valence, il est revenu à Leipzig puis reprêté à Valence il me semble. Et là, il coûte plus que 4 millions d'euros. Donc, c'est un prêt en plus pour un joueur qui coûte plus rien. Ça fait qu'il ne progresse plus. Donc, honnêtement, je suis d'accord avec ce qui vient d'arriver il y a quelques minutes. C'est que Lyon et Textor ont refusé l'offre. Pour moi, c'est totalement logique. Encore, il donnerait encore un autre joueur qui a beaucoup, beaucoup de talent et qui est en pleine progression. Mais là, en plus, il voulait nous refiler un joueur en prêt qui ne marche plus. Donc, je ne dis pas qu'il n'aurait pas réussi à Lyon. Il faut savoir que Moriba, c'est un milieu central d'1m85, bon, c'est ce qu'il nous faut dans l'équipe, mais nous on cherche plus de l'expérience au milieu de terrain, donc ça convenait pas du tout, et l'offre n'a pas monté parce que c'était 30 millions plus 5 de bonus. On sait que également, je crois qu'il voulait augmenter l'offre à 35 millions d'euros dans les jours à venir, mais finalement ce qu'on a appris, c'est que il serait sur Lucharel Gertruida, joueur de Feyenoord, un joueur que voilà, je suivais durant le parcours il y a 2 ans. Et honnêtement, je trouve que c'est un top joueur, Gertruida, pour eux. Après, voilà, si Lyon avait plus de moyens, j'aurais bien aimé qu'il vienne à Lyon, ce joueur-là. Mais en tout cas, il pourrait se rabattre sur ce joueur néerlandais. Donc, ça pourrait entraîner Lukeba à rester. Malgré que ce matin, on a vu pas mal de tweets de RMC Sport, de Foot Mercato, disant que Lukeba voulait partir, etc., etc. Moi, je pense que l'agent de Lukeba y est pour beaucoup. Parce que voilà, c'était la politique d'Olas de déjà prévenir les jeunes, vous allez faire une saison, voilà, etc. Vous allez beaucoup jouer puis partir. C'est pas du tout la politique de Textor. On l'a encore vu, il a encore refusé une offre. Je pense que tous les jeunes vont rester, les Barcola, les Lukeba, Cherki, à mon avis, devront rester au moins une saison de plus pour remettre Lyon, comme il l'a dit Lukeba en interview, remettre Lyon au sommet, en tout cas en Ligue des Champions. Donc s'il fera ça, bon après il pourra partir l'année prochaine tranquillement. Mais j'ai envie qu'il respecte quand même ce qu'il a dit. Malgré qu'on sait que maintenant le foot est beaucoup de blabla et très très peu de d'actes, je pense quand même qu'il va rester, que Textor aura ne craquera pas et va garder les rênes dans le dossier-là et ne va pas craquer à la prochaine offre de Leipzig comme on le voit en ce moment. Il a déjà refusé 3 offres pour Lukeba. Donc, dossier suivant, El Arouche. On a appris que El Arouche était suivi par Barcelone et également par pas mal de clubs de Ligue 1, les noms n'ont pas filtré, qu'il aurait bien voulu en prêt, mais après qu'option d'achat. Parce que voilà, on voit partout que El Arouche a du talent, sauf à Lyon. Donc c'est un peu bizarre. Bah après, quand je dis sauf à Lyon, c'est un peu les dirigeants. Au début, ils avaient un peu de mal, etc. Mais finalement, voilà, on remarque un petit peu le talent d'El Arouche un peu ailleurs. Donc je pense que Textor et Mathieu Louis-Jean ont bien fait de dire à Blanc de le faire jouer. Parce que si les autres le remarquent, c'est peut-être qu'il a du garçon, il a du talent, le garçon. Hein. Donc je pense que c'est une bonne solution de le garder. J'espère qu'il aura pas mal de temps de jeu. Et que on va pas craquer non plus à une offre à la toute fin du mercato alléchante d'un gros club ou voilà d'un club qui le veut absolument et que El Arouche va rester également. Et pour terminer, on va vite fait parler de Toko Ekambi. Au début, voilà, je voulais parler un petit peu de lui pour vous donner une petite deadline. Je pense qu'il partira avant mardi ou mardi au plus tard. Mais j'ai vu qu'il y aurait potentiellement un rendez-vous entre les dirigeants turcs et Toko Ekambi aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si cette info est totalement vraie, mais je crois que c'est encore un journaliste turc qui a donné ça. Mais j'ai jamais vu les journalistes turcs parler autant d'un dossier. Franchement, surtout du côté de Lyon. Hein. Ça parle vraiment énormément de Toko Ekambi, donc je pense que ça devrait se finaliser très très rapidement, à mon avis. En tout cas, je pense que voilà, beaucoup de monde a envie que ça se finalise très vite parce que ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps. Et voilà, j'espère qu'il partira le plus vite possible pour qu'on puisse recruter parce que là on en a vraiment besoin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura bientôt le match, voilà, dans quelques minutes. 1 heure et quelques minutes, je crois. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Bon match à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones!